Alors, on parle de, justement de sport, on parle de belles histoires, mais je pense qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, celle de Patrick de Moussel. Pour quelle raison particulièrement? Alors, je ne sais pas qui soutient qui quand on parle de Patrick de Moussel, parce que Patrick et Anne-Marie sont des personnes vraiment extraordinaires qui ont apporté énormément à notre entreprise et je pense à chacun d'entre nous en particulier. Vous le savez bien, écrit un livre positif qui se base sur l'objectivité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme. Et je pense que Patrick, qui a eu cette maladie, qui aujourd'hui incarne cette objectivité, cette ouverture d'esprit, cet optimisme, nous aide à mettre cet esprit positif en œuvre chez EDF Luminus pour essayer d'avoir une culture d'entreprise positive et dans laquelle chacun peut déployer son plein potentiel. J'ai la chance de connaître Grégoire Dallemagne depuis une bonne dizaine d'années et l'appréciation énorme que je lui porte et le respect que j'ai pour lui s'est progressivement accompagné d'amitié et d'échanges. Et on a travaillé ensemble depuis 2 ans maintenant. Et Anne-Marie, mon épouse et moi, nous travaillons pour EDF Luminus. Et je dis toujours, c'est une entreprise qui a plein d'énergie, plein de motivation, plein de positivisme. C'est comme un coureur qui court le 100 mètres en 10 secondes. Nous, on essaie de les amener en 9 secondes, 9. Ils n'ont pas besoin de nous pour être positifs et énergétiques, mais si on peut apporter ce petit surplus, c'est encore bon. Et quand j'ai annoncé à Grégoire mon intention de courir les 20 km de Bruxelles, il a tout de suite dit, on va te sponsoriser. Et donc, notre partenariat business s'est complété d'un partenariat sponsoring sportif. Je n'ai jamais été un grand sportif, j'ai toujours pratiqué le sport comme amateur et j'ai essayé de faire plusieurs types de sport. J'ai essayé de faire du jogging, du VTT. Je me suis vite rabattu sur le jogging parce que c'était le plus facile, le plus immédiat. Quand on est on, il suffit de sortir de sa maison et de commencer à courir. Le VTT, je n'arrive pas à tenir mon vélo droit, donc je vais un petit peu en zigzag quand je roule. Mais le jogging, je m'y suis mis il y a seulement 1 an et demi, 2 ans, avec l'idée de courir les 20 km de Bruxelles. Je n'avais jamais couru plus que 5 km de ma vie, même en bonne santé. Et donc là, je me suis mis un programme d'entraînement depuis 1 an et demi pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu spécial. En fait, il y a une phrase que j'adore. C'est « Il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre quelqu'un dire « c'est impossible », se faire interrompre par quelqu'un d'autre qui dit « moi je l'ai fait ». J'avais envie d'être ce quelqu'un d'autre. Tout le monde disait « c'est impossible quand on est paralysé, quand on tremble ». De courir les 20 km. Et à ma connaissance, personne avec Parkinson depuis 10 ans ne l'a jamais fait. J'avais envie de le faire. J'avais envie de montrer que quand c'est impossible, il y a moyen de le faire. On a eu une magnifique couverture médiatique. On a fait les journaux TV, tant côté néerlandophone que côté francophone. On a récolté 120 000 euros de fonds, donc c'est une réussite sur toute la ligne. On a eu des sponsors, dont EDF Luminus qui nous a sponsorisés. On avait 9 corporate sponsors, 240 coureurs, et on a levé 120 000 euros sur un événement. Donc c'est une grande réussite, outre le fait que j'ai réussi à terminer les 20 km. C'est un tour de force, mais en même temps, c'est normal. J'essaye de vivre une vie normale. J'essaye que malgré la maladie de Parkinson, je vis une vie normale et j'essaye d'être quelqu'un de normal. Mais il y a 40 000 personnes qui l'ont couru ce jour-là. Donc j'étais une personne parmi 40 000 qui ont couru les 20 km. C'est not a big deal. Je n'ai pas de leçons à donner aux entreprises, mais si j'ai des conseils à donner, c'est jamais abandonner. Ne jamais croire que les choses sont impossibles. Il y a toujours moyen de faire quelque chose quand on croit que c'est impossible. Courir 20 km quand on est paralysé et quand on tremble, c'est théoriquement impossible. Je l'ai fait. Il n'y a pas de leçon à donner, mais il y a peut-être un exemple à montrer en disant « si vous croyez que c'est difficile, essayez quand même, n'abandonnez jamais ». Patrick de Moussel heeft ondertussen al een nieuwe uitdaging gevonden. Volgend jaar wil hij wandelen naar Santiago de Compostela. Hij is meer dan een inspiratiebron voor de mensen van EDF Luminus.